Belleville. Connais-tu ma belle ville qui se mire au clair de l'eau? Connais-tu ma ville de 15 millions de courageux hommes, femmes, jeunes et enfants débordant d'optimisme et de créativité? Connais-tu ma belle ville? La ville de la rumba, celle de Papa Wemba et Fali Ipupa. Ville sportive de Mwadi, Ndaye, terre d'histoire et des légendes. Oui, ma belle ville, celle des sapeurs, des ambianceurs et des mille saveurs. Sous le drapeau s'entonnent les hymnes d'espoir. Ma belle ville, bienvenue dans ma belle ville. Kinshasa, la plus grande ville francophone, accueille les 9e Jeux de la Francophonie. D'information, je suis à 30. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. D'abord, les titres. Human Rights Watch s'associe à l'RDC pour dénoncer les actes ignobles des rebelles du mouvement M23 soutenus par le Rwanda. L'organisation appelle le Conseil de l'ONU à sanctionner le leader du mouvement M23 et certains responsables rwandais. À Kinshasa, plus de 1200 colons arrêtés par la police nationale congolaise. Ils ont été présentés au vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Les donneurs de sang à l'honneur à l'occasion de la journée mondiale du don bénévole des sang célébrée le 14 juin de chaque année. Ils ont été réunis au Centre national des transfusions sanguines. Les détails, c'est tout de suite. Le vice-ministre de la Défense a bouclé mardi sa visite à Goma, au Nord Kivu, avant de regagner Kinshasa. Jean-Pierre Bemba a présidé une importante réunion de sécurité avec les commandements des FARDC associés aux forces de la MONUSCO, de l'EAC et du mécanisme de vérification de la CIRGL. Il a également échangé avec les responsables des confessions religieuses qui lui ont appelé à peser de tout son poids pour le retour de la paix. Suivez. Ce que nous recherchons en tant que confession religieuse, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province du Nord Kivu. Sa réaction vraiment était positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail. Et nous croyons que vraiment, avec Dieu, la paix est déjà là. C'est un homme qui a les soucis, non seulement du développement, mais surtout les soucis de voir les pays vivre en paix. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, une grosse moisson réalisée à Kinshasa par la police nationale congolaise qui a mis la main sur plus de 1200 bandits urbains appelés communément Kuluna. Ces délinquants juvéniles ont été présentés au vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité avant d'être déférés devant leur juge naturel. C'était mardi au stade des martyrs de la Pentecôte. Images et commentaires. C'est un coup de balai bénéfique de la police ville de Kinshasa dans la lutte contre la criminalité grandissante. Ils sont au total 1237 Kuluna arrêtés lors des différentes opérations de la police qui ont été présentées au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur en présence du gouverneur Gentili Ngobilambaka. Ces hors-la-loi seront traduits en justice pour répondre de leurs actes, a déclaré le vice-premier ministre Peter Kazadi. Mokonzi Mboka. Tango Aponinga inakoma ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité a pesa kinga mission alobina ngai kende osilisa insécurité. En d'autres termes, obino bakulu na bozo sala omonango insécurité boza koboma boza kozokisa oza koyiba ozali kobotola ozali kosala makambo nyonso ya mabe ozali koviole bana basi. Ça s'appelle de l'insécurité. Mokonzi ya mboka lobi yo nazo nomé yo na mission principale osilisa makambo oyo wana.
Le numéro 1 de la sécurité de Congolais a dit sa détermination à ramener la paix dans la capitale et qu'il sera sans pitié vis-à-vis de ces jeunes délinquants. Et l'ingi koloba na ye pona ko sekisa binote. Pe nazana posa ya ko sekisa binote. Nazana posa ko bonde la paix binote. Posa nanga ezali ko silisa insécurité oyo bozali ko sa. Le chef de la police civile de Kinshasa a également présenté au numéro 1 de l'intérieur et le gouverneur de la ville de Kinshasa les éléments de la police qui se sont distingués dans l'exercice de leur métier. La devanture du palais du peuple siège du Parlement a accueilli plusieurs personnes mardi dans la soirée à l'occasion de l'an 1 de la prise de la cité de Bounagana par le rebelle M23 à l'initiative de la dynamique des mouvements citoyens. La soirée a été l'occasion de se souvenir des sinistrés, de l'insécurité mais aussi de conscientiser davantage à la lutte contre le projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. 13 juin 2022, 13 juin 2023, cela fait une année donc depuis que le territoire de Bounagana demeure sous l'emprise des rebelles du M23 sous couvert par le Rwanda. Pour la circonstance, la dynamique des mouvements citoyens congolais a pris d'assaut la devanture centrale du Palais du Peuple afin d'interpeller les décideurs sur cette question. Ils sont venus responsabiliser d'abord le député qui sont exactement le représentant ou la représentativité de la population, pour leur dire que ça fait pratiquement une année que Bounagana est sous occupation et que l'autorité de l'État n'est pas dans cette partie de la RDC et qu'ils doivent fournir dans un délai plus raisonnable pour récupérer Bounagana et aussi, surtout, celui qui est considéré comme le garant du bon fonctionnement des institutions, qui est M. Félix-Antoine Tshisekedi, que nous interpellons par cette manifestation de faire de tout son mieux pour récupérer Bounagana qui est sous occupation, ça fait pratiquement bientôt une année. Alors nous, en tant que citoyens, nous ne digérons pas cette situation qui nous est imposée par le Rwanda. Drapeau et effigie entre les mains, ces mouvements de la société civile ont également convié la jeunesse à prendre conscience du projet de balkanisation qui guette la République. Nous sommes un peuple fort, uni par le fort et par le sort. Nous ne devons pas se tuer. Nous devons plus mettre dans notre quotidien la paix et la cohésion. C'est dans une ambiance plutôt vive qu'ils ont bouclé leur manifestation avec certitude de palper très prochainement le changement tant aspiré par les Congolais. Une année de la prise de Bounagana, on en parle encore, par le rebelle du mouvement 23 soutenu par le Rwanda, au parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound, on accuse l'État d'un certain laxisme dans la gestion de cette crise à l'Est. Selon le secrétaire général de l'Alliance pour le changement, la persistance de l'insécurité est notamment due au manque de vision claire en matière de sécurité de la part de l'administration Tshisekedi, il l'a dit au cours de cette interview. Le secrétaire général de l'Alliance pour le changement ne passe pas de la pommade mais s'en prend à l'administration Tshisekedi face à l'occupation de plusieurs entités du pays par l'ennemi de la République. Une année après la prise de Bounagana par le M23, Billy Mutono accuse le pouvoir en place. Et aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, ça tombe à pic que ça fait une année que Bounagana ne fait plus partie de l'administration congolaise et que l'armée congolaise qui peut à la limite être motivée mais n'est pas motivée en termes de troupes, les ressources humaines, mais les équipements, la motivation financière pour permettre à ce que les militaires puissent avoir le moral pour combattre et défendre la patrie, ça pose problème. Pour amener la paix à l'Est et à l'Ouest de la République démocratique du Congo, Billy Mutono propose. Les pistes pour amener la paix en RDC doivent partir d'abord par des réformes solides au niveau de l'appareil sécuritaire qui pose problème. Comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années, tout l'espace politique, nous crions à l'infiltration. Et que nous qui étions des opposants d'hier, connaissant cette réalité, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement en place ou le régime actuel n'a produit aucune réforme en ce sens-là. Donc,
Les réformes urgentes doivent s'imposer et l'Alliance pour le changement a pensé aussi à cet aspect des choses. C'est depuis le 13 juin 2022 que la cité frontalière de Bunagana est occupée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda avant qu'ils prennent le contrôle d'autres parties de la province du Nord Kivu. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à sanctionner les leaders du mouvement M23 ainsi que les responsables rwandais. Une requête de l'organisation Human Rights Watch qui, à travers son rapport de ce mercredi, dénonce l'existence de plusieurs corps sans vie enterrés dans des fosses communes par les M23 soutenus par le Rwanda. Human Rights Watch pointe du doigt accusateur le M23 et certaines autorités rwandaises. Au lendemain de l'attaque des miliciens Codeco dans un camp des déplacés, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri a présidé une réunion des commandements FARDC MONUSCO. Le lieutenant Louboya Kachama Johnny rassure de l'engagement des forces de l'ordre à sécuriser et protéger toutes les populations civiles. La suite en images. Plus rien ne sera comme auparavant. Tous les groupes armés réfractaires au processus de paix seront poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement, soit par les opérations militaires, soit par la justice congolaise et internationale. Déclaration du commandant des opérations militaires de l'Ituri faisant le point de la situation sécuritaire en territoire de Djougou au sorti de la réunion de commandement avec la MONUSCO et le comité provincial de sécurité, d'où la population est appelée à faire confiance aux forces armées. De la même façon que nous sommes en train d'organiser la paix. De la même façon aussi, de l'autre côté, l'ennemi est en train aussi d'organiser la déstabilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que cet ennemi ne va pas nous vaincre. J'ai parlé la dernière fois, vous avez quatre choix. Vous êtes désarmé, vous vous démobilisez, c'est la justice et la neutralisation. Et cela après que nous ayons parlé au Premier ministre, à la CPI, au procureur, au secrétaire général adjoint qui était venu ici et au commandant force de la MONUSCO. Dans la même veine, le lieutenant général Louboya Kachama Johnny annonce le lancement d'un mandat d'arrêt contre toute personne impliquée, de près ou de loin, dans la déstabilisation de l'Ituri. La justice, c'est contre qui? Hier, c'est contre M. chef de la jeunesse Tchoura. Il sera arrêté, quelles que soient les manifestations qu'ils vont faire. Il a pris la clé des champs. Il s'agit de M. Pili, l'homme de Codeco qui a organisé ces attaques-là. Nous allons le neutraliser. Pour l'instant, le calme est revenu dans cette région à la suite d'un déploiement de FRDC. Occasion pour Dr. Lonema Vajiru d'appeler la communauté EMA à l'apaisement et d'accompagner les autorités militaires pour les retours rapides de la paix. Le gouverneur nous a rassuré que depuis toute la semaine, il suit de près les moindres détails des événements qui se déroulent chez nous dans le territoire de Djougou. Nous appelons toute la communauté EMA au calme et aussi à persévérer pour la démarche de la paix. Donc nous allons continuer à faire confiance à notre gouvernement, à notre province, pour que nous puissions ensemble rétablir la paix dans Djougou, dans Irumu et dans tout l'Ituri. L'union sacrée met les bouchées doubles à quelques jours de la convocation de l'électorat par la Commission électorale nationale indépendante. Depuis Lubumbashi en mission, le Premier ministre a saisi le 15 juin pour réunir le caucus des députés nationaux membres de l'union sacrée. Objectif de la rencontre, pour finir, davantage les stratégies pour les élections à venir. Suivez. La question liée à la bonne marche des lignons sacrés dans les grands Katanga et celle liée à l'organisation imminente des actions de grande envergure amenées pour les élections à venir était au centre des échanges entre le Premier ministre Samalou Kondé et les caucus des députés nationaux de l'espace Grand Katanga, membres des lignons sacrés. Les tout pour un objectif principal, soutien total du Grand Katanga pour la réélection du président Félix Tshisekedi au prochain scrutin. L'Union sacrée se porte très bien, mais il y a un grand engouement, mais il y a nécessité d'harmoniser et d'organiser, de formaliser certaines structures. Voilà pourquoi nos échanges ont eu lieu ici. Et dans les jours à venir, il y a une délégation qui viendra de travailler avec les différentes parties prenantes pour voir dans quelle mesure donner un rapport au Premier ministre qui est membre du Président pour que les activités de grande envergure puissent démarrer. Notre objectif principal, c'est la réélection du Président de la République. Notre objectif principal, c'est de lui accorder une majorité confortable ici au niveau du Grand Katanga. Derrière
le membre qui représente le Grand Katanga au niveau de Présidium, donc son excellence, monsieur le ministre, Jean-Michel Samatou. Du côté de la CENI, le train des élections est en marche. Après le dépôt de loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale au Parlement, l'étape suivante est la convocation des électorales pour la députation nationale programmée le 25 juin prochain. Dans un autre chapitre, Martin Fayoulou a regagné Kinshasa ce mercredi après une tournée aux États-Unis. Sur place, Martin Fayoulou a échangé avec des autorités américaines au sujet du bon déroulement du processus électoral et la restauration de la paix en RDC. C'est ce que renseigne Prince Epengue, membre de la coalition Lamuka, depuis l'aéroport international d'Injili à l'accueil de Martin Fayoulou. Suivez. On est venu ici à l'aéroport d'Injili pour accueillir en comité le président élu, réellement élu par le peuple, Martin Fayoulou. Comme vous le savez, nous avions voulu au niveau de la Lamuka, le peuple, les combattants et combattants, les résistantes et résistants avaient réclamé qu'il y ait un accueil populaire. Mais comme vous le savez, depuis un certain temps, chaque fois que nous fixons la date pour accueillir le président Fayoulou, on nous empêche, on réprime. Donc nous n'avons pas voulu que le sang coule. Donc on a préféré faire un comité pour le recevoir. Le président élu a passé des semaines extrêmement chargées au pays de l'oncle Sam, où il a été sensibilisé l'opinion publique américaine sur la nécessité que les États-Unis puissent aider les Congos à pacifier le pays. Le Congo est devenu un archipel de la terre, au Nord Kivu, à Netouri, au Bandundu, à Kinshasa, on massacre, on tue dans un temps de déplacés, s'il vous plaît. Et le tout dans une province sous état de siège. Aussi, il a demandé aux Américains de sanctionner sévèrement Paul Kagame et son régime sanguinaire qui endeuille les enfants du Congo. Sans oublier qu'à Washington, comme dans tous les États où il a été reçu par les officiels américains, le président Élie Martin Fayoulou a invité les États-Unis à accompagner le peuple congolais dans son combat pour avoir des véritables dirigeants issus des élections crédibles et transparentes. Le président Martin Fayoulou, avant d'être le candidat de la Lamuka, est d'abord le numéro 9. Changeant de chapitre, début officiel de la deuxième édition du concours Henriette Eke organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA en sigle, concours lancé mardi par le ministre de la Communication et des Médias. Les participants devront présenter des projets autour de la lutte contre les violences sexuelles. Reportage. Le concours Henriette Eke vise à récompenser les meilleures productions médiatiques axées sur les questions de population. L'initiative de l'UNFPA vise à travers cette deuxième édition à mettre fin aux violences basées sur le genre. Le lancement officiel s'est déroulé à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication en présence du corps professoral, des étudiants ainsi que les professionnels de médias. Dans son mot de bienvenue, le recteur de l'IFASIC, le professeur Kambayu Boacha, a salué la considération portée sur son alma mater. Le représentant de l'UNFPA, de son côté, a énuméré les objectifs de son organisation avant d'insister sur l'importance de cette initiative dans la sensibilisation de population et des décideurs. Nous avons besoin de travailler en étroite collaboration avec les professionnels de la presse et des médias pour arriver à sensibiliser la population et les décideurs sur beaucoup de choses. C'est pour cela que nous lançons ce concours pour la production, les meilleures productions médiatiques, mais aussi pour encourager les professionnels des médias et des presse à travailler encore beaucoup plus pour informer et sensibiliser la communauté et les décideurs sur les questions relatives à la population.
Le ministre de la Communication et Médias, parrain de cet événement, a fait mention des avancées enregistrées dans la lutte contre les violences basées sur les genres en République démocratique du Congo. Patrick Muyaya, qui a lancé le concours, a invité les professionnels de médias à y participer massivement. Je tiens donc à inviter les journalistes œuvrant sur toute l'étendue du territoire national à concourir dans les différentes catégories et à encourager toute la communauté des médias à continuer de faire de productions intenses et de qualité pour contribuer à mettre fin à cette ironie injuste, à ces paradoxes déstructurants et à ces drames désastreux qui consistent en une déshumanisation de celle qui donne la vie à l'humanité. La cérémonie a été également marquée par la présentation des différents membres du jury. Henriette Ekié fut une sage-femme qui a milité pour la révalorisation de la profession sage-femme. Elle a travaillé à l'UNFPA comme conseillère sage-femme de 2010 à 2020 jusqu'à sa mort en novembre de la même année. En santé, ils sont ceux qui sauvent des vies de plusieurs. Des donneurs de sang à l'honneur ce mercredi 14 juin à l'occasion de la journée internationale leur dédiée, journée placée autour du thème « Sang plasma ». Partageant la vie, donnons souvent. À Kinshasa, la commémoration a eu lieu au Centre national des transfusions sanguines en présence de plusieurs autorités partenaires de la RDC. Images et commentaires. Le Centre national des transfusions sanguines, référence dans la collecte des sangs, a abrité la cérémonie commémorative de la Journée internationale des donneurs de sang, célébrée le 14 juin de chaque année. Cérémonie marquée par la présence du ministre de la Santé et son vice-ministre, ainsi que de plusieurs personnalités et partenaires du secteur de la santé. À l'honneur, des donneurs bénévoles de sang ont marqué aussi leur présence et les héros de cette journée placés autour du thème « Sang, plasma, partageons la vie ». Donnons souvent. 84% de dons ont été testés et qualifiés conformément aux normes nationales grâce au travail qui réalisent les CNTS avec les appuis du gouvernement. Le directeur du Centre national des transfusions sanguines a également saisi l'occasion pour remercier la firme Roche, principale partenaire depuis 2017, qui a mis à la disposition du CNTS automates et autres équipements des laboratoires. Nous profitons donc de cette occasion pour remercier la firme Roche à travers Trinity pour avoir aussi réhabilité l'un des blocs de notre laboratoire. Saluant l'apport des différents partenaires, le ministre de la Santé publique a insisté sur la mobilisation des Congolaises et Congolais aux dons bénévoles des sang. Le ministère de la Santé publique, hygiène et prévention est vraiment engagé dans le cadre de la couverture santé universelle à rendre les soins universels. Et si les soins doivent être universels, la première chose qui doit être universelle, c'est le don de sang. La firme Roche, à travers son directeur Afrique centrale, n'a pas manqué d'exprimer son satisfait quant aux améliorations enregistrées concernant la sécurisation des transfusions sanguines en RDC. Nous avons mis à disposition un automate qui permet de qualifier les dons, c'est-à-dire de permettre de tester le sang et assurer que le sang est de qualité pour l'ensemble des Congolaises et des Congolais. Je suis d'abord fier de contribuer à faire en sorte que nous ayons du sang en quantité et avec une très bonne qualité. Les donneurs ont également sensibilisé à l'importance des données de sang pour sauver des vies. C'est aux environs de 15 ou 16 ans que je donne gratuitement de mon sang. Moi, je vois d'abord l'aspect don bénévole. Je vois l'aspect don et sauver une vie. On a besoin de beaucoup d'adhérents, mais il faut qu'il y ait aussi de motivation envers ces gens-là qui donnent. Il s'agit de la 18e célébration de la journée des donneurs de sang. Selon les dernières statistiques, plus de 500 000 femmes et 2 millions d'enfants sont sauvés grâce au don de sang. La ville de Kinshasa va accueillir du 21 au 24 juin prochain la semaine canadienne. Il s'agit d'un grand salon d'affaires organisé par la Chambre de commerce du Congo-Kinshasa au Québec. Objectif, réunir des entrepreneurs congolais et canadiens en vue de nouer des partenariats pour booster le business entre la RDC et le Canada. L'annonce de la tenue de ces assises a eu lieu mardi au cours d'une conférence de presse. C'est l'objectif de cette semaine canadienne en République démocratique du Congo. Promouvoir la coopération bilatérale entre le Canada et la RDC,
C'est le thème de la semaine canadienne à Kinshasa du 21 au 24 juin prochain. Activité qu'organise la jeune chambre de commerce du Congo Kinshasa au Québec à l'initiative de Fabrice Tompa Ilunga, un jeune entrepreneur congolais résidant au Canada qui en a noté l'objectif. Cela fait suite déjà à une volonté au fait de nos membres de pouvoir gagner des marchés dans leur pays d'origine, la RDC, mais vu que ce sont des personnes qui soit ils sont nés ou ont grandi à l'étranger au Canada, n'avaient pas nécessairement un réseau d'affaires qui pouvait les accompagner. Déjà avoir simplement des informations fiables, à rentrer en contact avec des partenaires économiques fiables. Voilà, c'est parti de là, mais après, nous avons quand même remarqué que au-delà de cette envie-là, le Canada et la RDC, somme toute, collaborent beaucoup dans tout ce qui est secteur minier. Mais il y a d'autres secteurs d'activité qui, entre guillemets, sont moins problématiques pour la RDC, sur lesquels il faudrait peut-être accorder une attention un peu plus soutenue. Pour l'annonce des salons d'affaires congolo-canadiens, plusieurs partenaires à ces assises ont souligné combien le projet est tout autant bénéfique pour les entrepreneurs congolais en particulier. Concernant la semaine canadienne de Kinshasa, comme je l'ai dit, c'est une superbe plateforme de rencontres et on sait que les rencontres sont extrêmement bénéfiques pour la création de valeur, le partage d'idées, de projets, et elles permettent de favoriser les échanges économiques, commerciaux entre les deux pays. C'est un moyen sûr de se faire connaître. Ça veut dire que de voir qu'est-ce que les autres offrent comme secteur d'activité et de voir s'il peut avoir une combinaison ou une attraction dans ce genre de réseautage qui peut propulser mon genre d'activité qui est le restaurant. La semaine canadienne en RDC est une initiative créée depuis 2017 par la jeune chambre de commerce de Kinshasa au Québec, JCC Kaki en sigle, avec aujourd'hui 1100 entreprises partenaires canadiennes. En société, la devanture du collège Boboto devenue un dépotoir d'immondices jeté par des kindam impossibles à identifier, un cri d'alarme est lancé par le comité administratif de cette école. En croire, le président du comité administratif, Lama Dimondis, a été découvert en un jour devant cet établissement scolaire. Suivez ce reportage. La décharge publique a élu domicile depuis quelques jours devant le collège Boboto, précisément sur l'avenue Père Boka. Les élèves, assujettis par des odeurs nauséabondes, peinent à suivre soigneusement les leçons leur enseignées. À côté de cette école se trouvent des usagers de la route, dont des vendeurs qui, contraints par cette réalité, exécutent tant bien que mal leurs activités. Les inquiétudes se font ressentir. Effectivement, nous lançons un cri d'alarme à l'autorité municipale d'abord, parce que nous sommes ici dans la commune de la Gombe, la commune qui abrite les institutions de la République. De ces faits, l'avenue Père Boka est l'une des avenues qui regorge des institutions scolaires où nous formons nos enfants, nous éduquons nos jeunes aux bonnes mœurs. Et la salubrité fait partie de ces vertus que nous devons apprendre à nos enfants. Et nous remarquons de plus en plus l'avenue Père Boka devient de plus en plus insalubre. Des poubelles parsemées par-ci, par-là. Et la dernière en date, c'est devant l'enclos du collège Boboto. Je pense que votre équipe pourra faire un tour. Vous allez voir une décharge publique qui est en train de naître et qui ne fait que grandir du jour au jour au vu et au su de tout le monde. Sachant qu'ici, il y a deux écoles, il y a deux églises, il y a le ministère des Affaires étrangères. Et il y a même le palais de justice qui est non loin d'ici. Mais ces gens se permettent de créer cette décharge publique devant les bâtiments de l'école. C'est un problème à l'hôtel de ville. Mais à un certain moment, ça fait au moins 3 semaines. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller à la il faut collège à ça l'effort qui n'a pas. Tout le monde a un peu de matiti.
Les autorités compétentes sont priées d'être à l'œuvre afin de rétablir l'inquiétude qui a pris congé des habitants de ce coin de Kinshasa. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'info reste en continu sur www.actu30.cd et sur les réseaux sociaux. Au revoir. Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours va abriter le 9e jeu de la francophonie. Une première pour la RDC. Au total, plus de 4000 sportifs et artistes sont attendus en RDC pour participer à ces jeux. Nous allons à la découverte des quelques sites retenus pour la partie culturelle. Il y a le Musée National, l'Académie des Beaux-Arts, l'échangeur de métiers, mais aussi et surtout la Halle de la Gomme, véritable carrefour d'actualité culturelle dans notre ville-province de Kinshasa. Pour parler de ce concours création numérique, un concept tout à fait nouveau. Nous allons nous entretenir avec le responsable de cette discipline, M. Narcisse Lutumba. Narcisse Lutumba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à la Halle de la Gombe. C'est au lieu de prestige, de tout ce qui est culturel en RDC. De quoi s'agit-il en fait? La création numérique, d'abord en tant que discipline, a été introduite pour la première fois lors de la 7e édition à Nice, en France. Donc, ça fait déjà 3 éditions que ça existe comme discipline parmi les 11 disciplines du côté culturel. C'est une discipline qui consiste à la création ou au montage des images auxquelles il faut associer un son ou des sons. Et les deux doivent constituer une seule œuvre dans laquelle nous trouvons une égale importance entre l'image et les chants. Il y a un message particulier par rapport à ces concepts. Ça peut répondre à une thématique. Que vous allez mettre sur place ou bien c'est à l'artiste lui-même d'imaginer. L'artiste peut se choisir une thématique. Il est libre, oui. Un concours aussi peut fixer une thématique. Ok. Donc l'artiste peut s'inspirer et puis voilà, répondre à cette thématique. Ok, d'accord. La création numérique, c'est une discipline qui exige la projection. La projection exige une salle assez sombre. Voilà pourquoi ce site a été choisi. Eh bien voilà, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et je rappelle que nous sommes à la Halle de la Gombe, site retenu par le comité qui organise le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à vous tous. On se donne rendez-vous dans quelques jours, le temps pour nous de vous permettre de découvrir aussi d'autres sites retenus par le comité pour ce 9e jeu de la francophonie. À tout de suite.